Bien que les films de super-héros ne soient pas des nouveaux venus dans la cinématographie états-unienne, leur nombre a certainement augmenté depuis la dernière décennie. Bien que leur ratio par rapport au reste de la cinématographie soit loin de ce que l'était par exemple le western à son âge d'or, leur popularité est plus qu'évidente. Ce qui démarque le courant actuel de super-héros de l'âge d'or du western est une nouvelle stratégie de production et de mise en marché, particulièrement chez le studio le plus représentatif du phénomène, Marvel Studios. L'univers fictif créé par le studio a en date d'aujourd'hui 22 longs-métrages diégétiquement interconnectés. Par sa complexité, la MCU peut être facilement étudiée sous un angle semblable à la série télé. Les films de la MCU totalisent avec leur dernier film une durée d'un peu plus de 48 heures. Grâce à ce processus de sérialité et d'interconnectivité, le studio a jusqu'à maintenant généré des revenus mondiaux de près de 20 milliards de dollars, et ce uniquement en recettes en salle, donc excluant les ventes et locations et les produits dérivés. Leur dernière sortie, Avengers Endgame, a récolté à elle seule 1,6 milliard de dollars mondialement en l'espace de seulement 5 jours. Je tenais donc à savoir si et comment le succès des méthodes de production et de mise en marché des films de Marvel Studios, reposant sur la sérialité et plus particulièrement sur l'intervalle, dépendent des temps d'attente d'un réseau grandissant de fans. Iron Man, sorti en 2008, marque le début d'un changement important dans les méthodes de production de Marvel Studios. Il nous apparaît un personnage jusque-là absent du film dans une scène placée après le générique de fin. Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Cette scène marque le premier indice de ce qui deviendra la Marvel Cinematic Universe, la MCU. Les différentes séries de films sont séparées par leurs différents protagonistes, avec exception. Mais au-delà de leur propre ligne narrative, chacune de ces séries s'inscrit à l'intérieur d'un grand monde et d'une grande histoire commune dans laquelle tous les films sont interconnectés. Ainsi, afin de complètement assimiler l'histoire, le visionnement d'une série peut nécessiter le visionnement d'une ou de plusieurs autres. En parallèle de ces séries, séparées par les protagonistes, on retrouve la série des Avengers, qui regroupe les personnages de pratiquement tous les autres films. Bref, la MCU devient un casse-tête en constante expansion, dans lequel chaque pièce devient de plus en plus dépendante des autres. Autant que l'on ferait pour une série télé, Marvel Studios doit penser les séries de la MCU dans le temps et donc à l'entretenir à long terme. Elle doit se servir des possibilités évolutives de son état sériel tout en s'assurant de raisonnablement contenir l'univers diégétique et son évolution narrative, risquant de manquer de pertinence si l'ensemble devient trop complexe trop rapidement. Cependant, la création de cet univers fictif devient au fil des sorties pratiquement superflue, puisque celui-ci a déjà été établi des années auparavant. Avec un portrait toujours grandissant, Marvel peut alors se permettre de faire avancer à pas de tortue les arcs dramatiques de certains personnages déjà établis dans l'univers créé, et ainsi diminuer l'importance de plusieurs protagonistes au profit d'autres personnages. Les temps à l'écran des protagonistes d'Avengers Infinity War, sortis l'année dernière, en sont très révélateurs. Les protagonistes de la première phase de la MCU y apparaissent à l'écran un maximum de 17 minutes, et même aussi peu que 7 minutes, sur un film d'une durée de 2h30. L'étude d'un phénomène comme les films de Marvel peut être comparée à l'étude télévisuelle. En effet, le concept de sérialité doit être au cœur de son épistémologie. Si l'épisode de la série télévisuelle est pris comme unité dans la nature modulaire de son tout, les films de la MCU le sont à deux niveaux, soit le film à l'intérieur de la série d'un protagoniste, et cette série à l'intérieur de la MCU. Le concept de sérialité est majeur pour Marvel. Il est un facteur important de leurs revenus réguliers. Mais ce qui peut présenter un risque pour la compagnie est la nécessité grandissante des possibilités contenues dans les intervalles. Ces intervalles entre les sorties sont d'ailleurs de plus en plus réduits. On assiste d'abord à l'instauration du concept de flux d'images, semblable à ce que Netflix, par exemple, nous offre. L'inclusion de scènes pendant et après les génériques de fin invite le spectateur à rester à l'affût de la suite. Ces scènes de générique présentant des indices vers des prochaines productions, on en retrouve à chaque fin de film, ce qui fait que n'importe quel spectateur peut comprendre que l'histoire se poursuit dans une prochaine production.
On crée donc facilement de l'anticipation sans même avoir à augmenter les coûts de mise en marché. Et comme si ce n'était pas assez, le studio a commencé à écrire en toutes lettres à la fin de certains génériques qu'un personnage ou un autre reviendra dans une prochaine production. Par ces méthodes, on tente de nous convaincre de demeurer accrochés en tant que consommateurs réguliers de la série. En parallèle, l'Internet est devenu un lieu propice à la création et au partage de théories et de spéculations concernant les œuvres. Dans son ouvrage « Constellation », Anne Besson explique que l'échelle des phénomènes d'appropriation explose avec la démocratisation d'Internet et la diffusion à haut débit. Se trouve dès lors mis à la portée d'une proportion croissante des usagers, lecteurs, spectateurs, joueurs, non seulement des outils simples d'emploi pour devenir créateurs à leur tour, mais encore un énorme public potentiel. Grâce aux réseaux sociaux, l'intervalle permet le développement à court et à long terme d'un forum culturel. Les fans y débattent et stipulent de l'évolution et des possibilités de la série de films. Avec chaque nouveau film, on assiste à une croissance dans la dépendance de l'œuvre à la dimension extradiégétique. Le film constitue désormais une base d'expansion. Le savoir des fans devient ainsi important, presque essentiel dans la continuité de la série. Les spéculations et les attentes, les surprises, sont essentielles dans l'évolution de la MCU. Certaines théories tiennent le coup au fil des productions, mais avec l'accélération des sorties, la plupart ne demeurent qu'un monde en eux-mêmes pour une courte durée. Des œuvres comme celle de la MCU offrent un potentiel de création communautaire à l'extérieur de son monde diégétique. Les fans, dans une sorte d'élan ludique et social, participent de l'œuvre-monde proposée par Marvel. L'instauration d'un système de production reposant sur des intervalles est risquée. Un univers connecté doit prendre en compte notre société également connectée. Son marketing devient à l'affût d'une communauté de fans déjà existante et en constant contact. Mais surtout, il en devient dépendant. Si le studio cesse de créer ses mêmes attentes à l'intérieur des intervalles, les entrées en salle pourraient potentiellement diminuer. Ce que le studio entreprend, c'est de semer à son avantage ce qui peut mener à la création de fictions virtuelles éphémères, théories, spéculations, ce qui permet d'établir une sorte de dialogue semi-dirigé avec les fans. Récemment, le public se trouvait dans l'engrenage de Captain Marvel. Dans une scène après le générique de fin d'Avengers Infinity War, sorti le 27 avril 2018, on ouvre le public vers la suite des événements en montrant brièvement le logo du personnage de Captain Marvel, jusque-là absente de la MCU. Le 18 septembre 2018 sort une première bande-annonce pour le film dans laquelle on reconnaît le même logo. Le film Captain Marvel sort finalement le 8 mars 2019. Le jeudi suivant, le 14 mars, sort alors une bande-annonce pour le prochain film, Avengers Endgame, dont la sortie est prévue pour le 26 avril. La bande-annonce confirme la présence du personnage de Captain Marvel dans cette nouvelle production. On nous indique donc, juste avant que le film n'entame sa deuxième fin de semaine en salle, que le personnage aura une certaine importance dans la prochaine sortie le mois suivant. Avec une telle stratégie, on indique premièrement à la fin d'Avengers Infinity War que Captain Marvel sera nécessaire dans la suite de la grande histoire. On crée de l'attente. Ensuite, on sort le film, puis on confirme sa présence dans Avengers Endgame. Surtout, on ne laisse pas le temps à Captain Marvel d'être disponible à l'achat ou à la location avant que son histoire, liée à celle des autres personnages, ne se poursuive en salle. C'est ainsi que le studio convainc le public d'aller voir le présent film au cinéma le plus rapidement possible. On assure donc une diminution de la chute du nombre d'entrées en salle pour la deuxième fin de semaine. Et tout ça signifie beaucoup d'argent de plus dans les poches du studio. Techniquement, pourrait-on aller voir le prochain Avengers sans voir Captain Marvel? Probablement, mais il manquerait un gros morceau du casse-tête. Un élément potentiellement important de la courbe dramatique du personnage. Un autre risque est l'omniprésence des réseaux sociaux dans le quotidien. De se retrouver malgré nous dans les fictionnalisations éphémères sans le vouloir. Le risque est de se faire gâcher certains éléments narratifs par la communauté connectée de fans en pleine discussion. Ce qui m'amène à la situation problématique de Spider-Man Far From Home, dont la deuxième bande-annonce débutait par un message important. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame,
Enjoy the trailer. L'univers de la MCU est devenu tellement complexe qu'il devient impossible de révéler la base narrative du prochain film sans gâcher l'issue du dernier, même s'ils ne font techniquement pas partie de la même série. Un problème surgit alors. L'intérêt de la structure de la MCU est de convaincre le public de revenir en salle à chaque film. Un film comme Avengers Endgame a attiré des foules records durant les premiers jours, mais il risque de s'épuiser plus rapidement si trop d'informations sont révélées. Les spectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de le voir durant ses premiers jours en salle auront peut-être plus envie d'attendre la sortie en Blu-ray. Ceux-ci risquent aussi de ne pas aller voir Spider-Man Far From Home en salle non plus. Bien entendu, ce n'est qu'une théorie, mais mon point est que ces méthodes représentent certainement un risque. Le président de Marvel Studios et la tête pensante de la MCU, Kevin Feige, a annoncé que le service de diffusion en ligne, Disney+, en service de novembre 2019, aura les droits exclusifs d'au moins trois nouvelles séries télé dont l'histoire sera reliée aux films de la MCU. Ces séries présenteront les histoires de protagonistes déjà connus du public à travers les films. Il y aura finalement un croisement majeur entre les séries télé et les films de Marvel. Ainsi, le studio oblige les fans à emprunter différentes avenues médiatiques pour assurer leur connaissance complète de l'univers partagé, ce qui résulte inévitablement en revenus réguliers supplémentaires pour la compagnie, en prenant compte que le service Disney Plus fonctionnera par abonnement. En employant la stratégie hollywoodienne du blockbuster, les productions de Marvel deviennent des événements culturels à chacune de leurs sorties. On assiste ici à ce que j'oserais décrire comme une sorte de méga blockbuster ou de time buster, c'est-à-dire que les films remplissent chaque fois l'espace de diffusion, mais aussi cet espace dans le temps et la durée qui se renouvelle constamment et qui est entretenu en parallèle dans les fictions virtuelles éphémères. Si la série télé peut être considérée comme espace autorisant des variations infinies, la MCU, elle, puise ses éléments sources dans une banque de 8000 personnages, ce qui permet une pérennité presque sans limite pour leurs adaptations cinématographiques. Selon moi, Marvel passera inévitablement de série à cycle, ou dans un entre-deux, afin d'assurer une certaine continuité de son succès. La série repose sur son ou ses héros et la répétition de leurs performances, qui justifie seule la liaison de ses épisodes, tandis que le cycle peut opter pour un renouvellement systématique de son personnel en s'inscrivant dans une histoire longue ou, beaucoup plus fréquemment, pour une succession de générations préservant la continuité du nom. Je pense que certains personnages seront remplacés par de nouvelles itérations, mais que l'existence de l'univers pourrait continuer encore longtemps.